Eh bien, salut à tous et à tous, moi c'est Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi en tout cas perso ça va nickel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction sur des sprite animation. Vous connaissez la chanson donc on va pas perdre plus de temps, donc sur ce, c'est parti. La première vidéo se nomme Super Mario Ucho 2, la suite du premier, comme vous en doutez, mais bref. Ouais, wow. D'accord, à peine ça commence et tout le monde se fait écraser par je ne sais quoi. Ok. Super Mario Ucho 2. Wesh, où est-ce qu'ils partent comme ça? Mais c'est qui les qui les éjecte comme ça? Wesh, on dirait que quelqu'un les balance de je ne sais où. D'accord, ça c'est l'introduction de... Ah, d'accord, il y a encore Sonic. Je disais, c'est l'introduction de Super Mario Bros 2. Ou plutôt Doki Doki Panic, pour les connaisseurs. Wow, non mais... Mais qu'est-ce qu'il vous a fait Sonic pour que vous martyrisez comme ça? Voilà, cher. Attendez, le mec il sort de nulle part et il se fait comme ça. La tête il se fait bouler par des personnages de Mario, mais bon. En même temps ils se font victimiser juste après par leur propre écran titre si je puis dire. Mais bon, le karma retombe vite. Alors. Ah, ça c'est le début du niveau, ouais. Wesh, pourquoi il y a Luigi en version, je sais pas, Men in Black ou Inspecteur? Enfin bref, je sais pas, bref. Parce que... Ah oui, c'est gros radis là. Je crois que, d'ailleurs, ça vient de la version Game Boy Advance, si je dis pas de bêtises, parce que sur la version Super Nintendo, il y avait pas ça. Et surtout, il y avait pas ces gros masquasses. Non, ça, c'était présent dans Super Mario Advance, premier du nom. Et ouais. Ok, il se fait poursuivre par ce gros masquasse. Oula. Là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon tout ça. Sonic va encore se faire victimiser, voilà. Voilà, voilà, qu'est-ce que je disais? Là, il est tombé dans l'eau? Je crois bien, ouais. Frère. Voilà. Il ouvre trop sa gueule, lui. Il crie trop victoire trop vite. Et au final, il se fait marave. Non mais bon sang, wesh. D'accord, ça c'était gratuit. Super. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ah. Ok. Le pot lui a glissé des mains. Et il nous touche en... Oui, ça doit vraiment faire mal, mais qu'est-ce qu'il fait, wesh? Non mais... N'importe quoi, en plus il fait trembler tout le niveau. Luigi, sérieux, non. Cette fois-ci, ils sont dans le désert. Non. Ah bah cher. J'aime trop comment ça fait. Ah mince. Pauvre Toad. Et décidément, tous ces persos se font vraiment victimiser. Il n'y en a pas un seul qui est épargné. Enfin, quoique, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont épargnés, je sais pas, mais... Bref, après... Non. Oula, oula. Ah mince. Sonic s'est fait. Ah. D'accord. Eh ben, décidément, tout le monde n'est pas épargné de ce que je vois. Donc, je retire ce que j'ai dit. Alors. Ah. Oui, je me rappelle de cette souris. Ah mince. Ah bah ça c'est ballot. Ah ouais, comment il a dégagé. Wesh. C'est quoi cette vitesse? Wesh. Mais c'est quoi ça? Non mais... Mais wesh, c'est quoi ce tapis? Dans le jeu on pouvait pas aller à une vitesse pareille. Non mais... C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est trop drôle. Ah oui, le serpent à trois têtes. Je me rappelle de ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le lancer dessus, ouais. Il va lancer... Non mais... Oh. Ah ouais, en plus, il a vomi. D'accord. Ah bah oui, forcément, ça n'allait pas marcher, quoi. Bon, bien sûr, ça, c'est pas des musiques de Super Mario Bros 2, hein. Comme vous vous en doutez. Mais bon. De toute façon, je vous apprends de ce côté-là. Wesh, Luigi, comment il se fait marrable. Wesh, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait là, Wario? Non, mais... Il est pas censé être ici. Oula. Je sens que ça va finir... en cacahuète. Non, mais... Oh là là. Toad se fait encore couper la tête. Non, mais... J'ai l'impression que dans tous les jeux, il va se faire couper la tête. Non, mais... C'est n'importe quoi, et lui, je vois même pas qu'est-ce qu'il fout là. Vas-y, Wario, t'as rien demandé. Ah. Non mais... Sonic, c'est pas comme ça.
Pourquoi, Todd? Pourquoi? Qu'est-ce que ce petit bonhomme vous a fait pour en arriver là? Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il vous a fait? Non mais... Wow, mais à chaque fois, il perd sa tête. Non mais, il est vraiment fragile, ce Todd, c'est pas possible, mais... Mais d'accord, ça fait grossir le caillou. Ok, Princess and the Frog. La princesse et la grenouille? D'accord, mais c'est par rapport à quelle grenouille? Y'a des grenouilles dans ce jeu? Non mais... Qu'est-ce qu'il fait, Mario? Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Attends. Non mais... Mais non, mais me dis pas ce que c'est ce que je pense. Attends. Non mais... En plus, c'est... Non mais c'est un gros pervers. Oh là là. Mario, il est vraiment obsédé par la culotte de Peach. Non mais... Vas-y, c'est bon. Non. D'accord, c'est par rapport à ça, la princesse et la grenouille. Ok. Et du coup, elle va lui faire un baiser pour que... Ah ouais, d'accord. Eh ben, je pensais pas qu'elle aurait peur d'une grenouille pareille. Oh, le coup de queue qu'elle vient de lui mettre. Mario, il se fait pas respecter. Ah. Ah ouais, d'accord. Elle va finir tout le niveau comme... Ça? Oula. Mon dieu. Attends, elle a vraiment speedrun, là? Genre, elle a vraiment fait un speedrun sur, sur ce niveau? Non, mais je te jure. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, mais Wario, lui... Il nique tout, Wario, il défend. C'est tout, non mais... Oh là 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 là. Putain, mais je vous jure, personne se fait respecter. Bon, après, c'est pas mon Wucho pour rien, j'ai envie de dire. Ah oui, il fait encore sa technique dans Smash. Ouais. Ah ouais, il défonce tout. Ah, cette fois-ci, il passe en version 8 bits. Très bien. Il y a un perso de Doki Doki Panic qui essaie de je sais pas, de choper Sonic. Enfin, Sonic Luigi, je veux dire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé, wesh? D'accord, je crois savoir ce qui s'est passé, mais je vous épargne les détails. Et je pense que vous aussi, vous avez pas trop envie de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Ah, j'aime trop cette musique. Boum boum. D'accord. Ok, c'est aussi un perso de Doki Doki Panic, ça aussi. Ah, ah oui, ce genre de masque, c'est un masque qui nous poursuit quand on prend sa clé. Enfin, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, comment elle se fait... Wow. Comment elle s'est fait marave, là. Bon. Comment vous allez faire, là? D'accord, il compte lui rendre... Ah, mais c'est pour ça qu'ils se font poursuivre. Ah, après, tu m'étonnes pourquoi... Ah, ok, Sonic, il est encore là. Sauf qu'il apparaît toujours au bon moment. Mais pas exactement, il apparaît toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Oula. Ah ouais, d'accord, comment il a gobé toutes ces choses. Bon, bien sûr, c'est pas à sortir de son contexte, hein. Bande de gros dégueulasses. Alors... Oh! Wesh! Ah ouais, je me rappelle de ce mème, attends. Ah ouais, ce genre de mème. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce mème là, avec cette gueule là. Même, je sais plus ça disait quoi, mais je me rappelle, ça disait « Moi, j'en suis 20 ans », un truc comme ça. Et après, il te sort un gros rayon comme ça, je te jure. Enfin, ce mème, à l'époque, c'était vraiment du grand what the fuck. Bon, après, c'est pas le seul, mais bon. Et du coup, ça... Ça se termine comme ça? Attends, c'est vraiment à la fin? Ah ouais, c'est vraiment à la fin, je pensais que c'était pas encore terminé. Bon, et bien écoutez, franchement, c'était une super vidéo, y a pas à dire. Franchement, j'ai même pas vu le temps passer sur cette vidéo. Et elle date de quand? Attendez que je vois ça. 2017, donc ouais, pour une vidéo de 2017. Franchement, ça va, ça a plutôt bien vieilli. En tout cas, super vidéo, elle est vraiment très drôle. Et bien sûr, si vous voulez voir cette vidéo, les liens se trouvent dans la description. Bref, passons à la prochaine vidéo. Ensuite, la prochaine vidéo, c'est sur Furnace versus Sonic the Galaxy. De Friday Night Funkin' vs Sonic.exe. Bref. Ah. Eh oui. Ça reprend le fameux moment où Sonic parle et se fait tuer par Furnace. Attends. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, cet endroit ici... ennuyant. Peut-être qu'il est temps de voir de nouveaux horizons. Ok. Donc je suppose qu'il va voyager à travers une autre dimension ou je ne sais quoi. Très bien. D'accord. Quand il voyage dans je ne sais où, en fait, il y a seulement sa version, comment dire, spectre. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Starved? Aujourd'hui, nous allons avoir un bon dîner avec deux hérissons.
Mian. D'accord. Ah. Et Xénophane, il a pris possession du corps de Sonic dans cet univers. C'était inattendu. Mais... Et quoi? Ah ouais, il y a tout ça à lire. Serait-ce une capacité de ce hérisson? Ou bien est-ce que cela a quelque chose à voir avec une pierre de l'époque? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Cette fois, il ne reviendra pas. D'accord. Donc en fait, il sait pas que ce Sonic... Enfin, ce Sonic. Ce Exé vient d'un autre univers. En fait, il pense que c'est toujours Sonic. Cette fois, je vais m'assurer que tu sois mort, Robotnik. Qu'est-ce qui te fait penser ça, hérisson? Bah... Je sais pas. Ouh! Ah ouais, le coup de pied, j'aurais pas aimé. Ah ouais. Oh! Rien que quand j'entends les bruitages là, je me dis que... Ouf, ça cogne fort. Ça cogne très très fort. Waouh. Là, ça commence bien. Ah ouais. Ah ouais, mais... C'est une fin, franchement, il me présente pas. Même Furnace, franchement... Pour une création de Robotnik, franchement, il est très très puissant. Et surtout, il tient tête face à Xénophane pour le moment. C'est impressionnant, je trouve. Vous trouvez pas? Enfin, moi, perso, je suis étonné. Ah ouais, mais... Ah ouais, mais d'accord, mais c'est... C'est trop... Putain, mais je te jure, quand j'entends ces bruitages, je me dis que... Waouh. Attends, quoi? Pourquoi il y a Majin ici? Salut mec, l'ami, collègue, voisin, frérot, Et j'ai pas eu le temps de lire. Créature, petite chose moche. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu... Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Court et direct, tu es devenu un criminel parce que tu es... Mais, frère, attends, ça passe trop vite. Car tu es si ennuyeux. Ok, d'accord, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le fait que tu as envahi une réalité prépusculeuse, ce qui constitue une violation cosmique, ce qui fait de toi un vrai criminel. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Des règles? Des crimes? Je suis Dieu, et je suis au-dessus des lois. Après, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Bah, je sais pas. Bien, tu as été prévenu. Retourne dans ta réalité, ou ne viens pas te plaindre. Ouais, bon, au moins, il est prévenu de ce côté-là. Alors. Ok. Bon, je suppose qu'il va finir son combat et qu'il va pas partir tout de suite, hein. Ah ouais. Putain, n'empêche. Ah, je vous jure, quand j'entends les bruits là, je me dis, waouh, ça doit faire mal. Mais vraiment. N'empêche, Xénophane, en version Sprite, il est vraiment super bien fait. Je sais pas si c'est Dead Graphic qui l'a créé ça lui-même, ou bien si ça a été tiré de je ne sais où. À mon avis, il y a peut-être des chances que ce soit lui qui lui ait créé... Qu'il est créé, je veux dire, pardon. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu es? Je suis Dieu! D'accord. Et il l'a tué. Ok. Et ça se termine comme ça? Quoi? Ah non, même pas. Assez de ces idioties! C'est qui? Qui c'est qui parle? Ah ouais, mais comment Amy Rose, elle s'est fait... déglinguer? Elle est dans un sale état. Waouh, attends. What? C'est Sonic qui contrôle Xénophane ou alors qui... Qui le retient, je sais pas? What? Et qu'est-ce que c'est que ça? Le moment est venu de recevoir le châtiment pour cette invasion. Ouais, je crois que c'est Lordix, hein. Enfin, je suis pas sûr, mais bon. Avec ton option, c'est toi qui es devenu le bourreau de ce lâche. Ah ouais, d'accord. Tais-toi et accepte ta sentence. Ah ouais. Nah, ni toi, ni personne d'autre me fera mettre à genoux. Ah ouais. Et du coup, il a quitté le corps de Sonic. Un esprit maléfique? Les cartes ont-elles prédit ça? D'accord, en fait elle parle, je crois, de ces cartes de... De ces cartes de tarot, si je dis pas de bêtises, ouais. Ah du coup, Lordix il a chopé son âme. Je suppose, ouais. Ouais, Xénophane il a fait le guignol en mode, ouais, personne me met à genoux, un truc comme ça, naninana. Mais c'est Lordix qui a eu le dernier mot. Enfin, je suppose. D'accord, ça veut dire que certains Xé ne peuvent pas faire n'importe quoi. Du coup, ça veut dire que Xénophane, il était pas censé être dans la réalité de Starved Eggman et de Furnace. Enfin, tout le reste. Donc ouais, Majin lui a bien prévenu au début que, voilà, il pouvait pas faire ce qu'il veut. En tout cas, l'animation, elle était très intéressante. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et moi, je propose qu'on passe à la prochaine vidéo. Ensuite, la prochaine vidéo, ça a ni un rapport avec Sonic, ni avec Mario. Et la vidéo se nomme Dio contre Springtrap. Oui, c'est pas une blague. Dio qui se fight avec Springtrap de FNAF. Et vraiment, ça a l'air d'être super intéressant. Attendez, c'est en haute qualité, ouais, c'est bon. Ok, ah vraiment, c'est super beau. Et cette vidéo, c'est un, comment ça s'appelle, un One Minute Melee, je crois.
Ouais, c'est des sprite animation dans lequel des personnages s'affrontent pendant une minute. Et dans ce cas-là, il y a un gagnant. Ou bien certains finissent par être égalité. Enfin bref. Alors, là, je sais pas du tout qui c'est qui va gagner, même si j'ai ma petite idée. Moi, je parie sur Dio. Après, pour Springtrap, ça m'étonnerait. Oula. Wesh. C'est quoi cette capacité? Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que c'est Dio. Je pense, hein, après, je suis pas sûr. Ouais. Ah ouais, c'est Dio. Je crois. What? Où est-ce qu'il a atterri? Attends, il a atterri dans un endroit avec Luffy, Zoro et Ichigo. Et Springtrap, il est pas mort. Ok, d'accord. Mais du coup, qui c'est qui a gagné? Attends, quoi? Quoi? Attends, mais c'est quoi ça? Mais what? Attends. Non mais c'est du foutage de gueule, arrêtez là. Comment ça Springtrap a gagné? Non mais c'est n'importe quoi, tout ça parce que Dio a atterri dans un autre monde ou je ne sais où. Mais frère. Comment il a dit à la fin, c'était Springtrap and World, hein, un truc comme ça. Attends, il a dit quoi? Ah mais moi j'en connais certains sur le réseau. Tu leur montres ça, ça va finir en débat et ça va finir par s'insulter. En mode ouais, Dio est supérieur à Springtrap ou alors Springtrap est supérieur à Dio ou je ne sais quoi, bref. Ça ferait que de s'insulter, je vous jure. Ensuite, la prochaine et dernière vidéo, c'est Praise the Movie. C'est ça, ouais, c'est Praise the Movie, ouais, c'est ça. Et Praise, c'est un rapport avec, bien sûr, Starved Eggman et Furnace. Enfin, dans l'univers où, voilà, Eggman pète un plomb et il devient tout rouge au niveau du visage. Ouais, c'est par rapport à ça. Alors, là, je suppose qu'on va nous raconter les origines de Starved Eggman. Donc, ouais. Ah, d'accord. Eggman, il s'est fait marave. Enfin, disons que son engin est pété. Ah, ouais. D'accord. Très bien. Il y a vraiment des animaux qui se sont fait... tuer, rassurez-moi. Enfin, rassurez-moi. J'espère juste qu'il n'y avait pas d'êtres vivants dans cette capsule. Je pense que si, mais bon. Alors. Donc Eggman se casse. Très bien. Tout est bien qui finit bien, pour le moment. Je suppose. Non, n'empêche, ça va, c'est bien animé. Et je suis désolé pour la qualité, et franchement, je peux rien faire. Peut-être que ça paraît pixelisé ici, par-ci, par-là. Et le max sur cette vidéo, c'est du 720p. Mais pas plus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la petite planète sur Sonic CD. Ah oui. Du coup, Sonic va passer directement sur Sonic CD, je suppose. Ok. Alors, il retourne dans sa base, ok. Qu'est-ce que... Ah mince, il y a un petit ourson qui est mort. Enfin, je crois. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. What? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Il me dit pas qu'il va le bouffer. Ah ouais, il le bouffe. Carrément. Moi, même s'il était mort ou je ne sais quoi, moi perso, j'aurais même pas cherché à le bouffer ni quoi que ce soit. Non. Certainement pas. Surtout que là, je pense que c'est pas une bonne idée de manger un être... Enfin, pas un être vivant. Mais disons un animal mort comme ça. Non. C'est pas genre un truc que t'achètes au supermarché ou un truc comme ça qui est vendu je ne sais comment, mais bref, non. Non, vraiment pas. D'accord, il y a Ray qui se ramène. Je sais pas pourquoi il est ici, mais bon, si tu veux. Ah d'accord, il est déjà devenu rouge, Eggman. Très bien. Ah ouais, mais vraiment, il fait peur. Il fait très très peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le choper? Ou je ne sais quoi? Je sais pas. Attends, il est mort alors? Oh ouais, non. Mais non, pareil, il s'est fait tuer par un bad Nika, ouais. Ça commence bien, ça commence très très bien. Dans cette animation, j'ai aucune idée si Sonic va survivre ou alors s'il va tout simplement mourir comme dans le mode FNF, hein. J'en ai aucune idée. Mais bon, on verra ça.
Peut-être qu'il y aura une good ending ou une bad ending, je n'en sais rien, j'ai pas vu la vidéo, donc je découvre en même temps que vous, si vous ne l'avez tout simplement pas regardé. Ok. Qu'est-ce que... Ah. Bien sûr, il y a Amy qui se ramène. Ça, c'est pas étonnant. Alors. Qu'est-ce que... Ah ouais, comment une anarchie. Là, décidément, Sonic, c'est vraiment un sacré farceur. Ah, c'est trop bien. Ah, mais n'empêche, c'est bien animé. Je trouve que c'est très très bien animé, malgré que ce soit en 720p, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus lisse et moins pixelisé, mais ça va. C'est bien animé, donc tranquille. D'accord, c'est sa première version de Furnace, ou alors c'est la version de cette vidéo, je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Attends, il a dit quoi? Mais je comprends rien ce qu'il dit. Avec le son derrière, j'entends rien du tout. Non, vas-y, cours, Amy. Cours. Et j'espère pas qu'elle va se faire buter. J'espère clairement pas. Non, ça va. Elle s'est... cachée. Non, nice. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Mince. Elle s'est fait cramer. Casse-toi comme tu peux, Amy. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il active le... Ah ouais, son turbo. Ah n'empêche, ça doit consommer beaucoup d'énergie de faire une telle chose. Mais bon. Oula. Ah. Ça va. Heureusement que Sonic est là, parce que là, elle aurait été dans la merde. Il va s'occuper de lui. J'aime trop comment il se la pète, Sonic. Vraiment, il me tue. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Eh, je vous jure, j'ai rien compris. Là, c'est dommage qu'il a pas mis de sous-titres, parce que là, vraiment, je... Je comprends rien ce qu'il dit. Mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va faire une attaque? Ou je ne sais quoi? Je sais pas. Bah, pour le moment, ça part pas trop en Yox. Enfin, sauf pour le moment où Mighty... Ray s'est fait tuer. Ah ouais, mais l'autre, comment il fait flipper, je te jure. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire son robot? Ou... Ah ouais. Pourquoi il a pété? C'est parce que son robot était pas à la hauteur ou je ne sais quoi? Peut-être, hein, mais vraiment, c'est... chelou. Bon. Bah, après, il fait ce qu'il veut de ses engins, hein. C'est lui qui l'a créé, donc voilà, il fait ce qu'il veut, hein. Ah, il est pas parti. Mais frérot, t'es très très mal caché. Sache-le. Je sais pas comment il a fait pour pas te voir, mais là, vraiment, t'étais très mal caché. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la transition. Ok, j'ai capté. Attends. What? Il y a une autre version de Furnace? D'accord. Ah ouais. Et là c'est sa deuxième version ou je ne sais quoi. Bon. D'accord. Attends, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a fait quoi? J'ai pas très bien vu. Je rêve ou il a tiré sur son propre robot? Pourquoi il fait ça? What? Ah ouais, il a enlevé Amy. J'ai pas compris pourquoi il a visé son propre robot. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou un truc comme as, mais... Oh non, pleure pas Sonic, pleure pas. Tu vas pouvoir la sauver. Enfin, j'espère. D'accord. Je vous jure vraiment, de ce côté-là, j'ai pas du tout compris le but d'Eggman de tirer sur son Metal Sonic ou je ne sais quoi. Mais bon, après il fait ce qu'il veut. Ah, Mighty il est là. Donc je suppose qu'il va se ramener, enfin je crois. Donc ouais, il va se ramener. Je sais pas s'il va tomber sur Ray, mais à mon avis, il risque d'avoir une sacrée surprise. Bah à mon avis, je suis sûr qu'il va tomber sur Ray. Je suis sûr, t'es sûr et certain. Qu'est-ce que... Ah, forcément. Est-ce que son cadavre est ici? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais à mon avis, non, il a dû tomber. Donc ouais, Mighty ne sait pas que Ray est mort. Parce que... Qu'est-ce qui se passe, wesh? Oh, mes yeux. Mes yeux, comment ça va? 2 FPS, là. Ah, vraiment, c'est abusé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va se transformer ou... Ou je ne sais quoi, non? Non, ça a peut-être rien à voir, ok. Ok, bah pour le moment, ça va, il y a juste Ray qui est mort. Après, j'ai pas la moindre idée de qui c'est qui va mourir juste après, mais bon. Peut-être que personne va mourir après ça, qui sait. Mais bon, je pense que ce serait trop beau pour être vrai. Ah ouais, mais Eggman, franchement, il a... Je te jure, il a une sacrée gueule. Ça va, Sonic, il a fini par attraper ces deux-là. Ok. Ah. Son robot est en train de recharger. Ok. Wow. Ah ouais.
Il en faut peu pour accumuler autant d'énergie, quoi. Mais vraiment. Wow. Oh, mais je te jure, c'est vraiment abusé. Qu'est-ce que... Ah ouais, il cherche son attaque. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? What? Attends, il possède une émeraude du chaos? Oh, mince. Si c'est le cas, c'est... Ah ouais, d'accord. Ça veut dire qu'il a deux émeraudes et qu'il lui a chopé... Enfin, qu'il lui a piqué une émeraude. Ok, là, vraiment, c'est la cata, vraiment. Il est dans un pétrin, mais monstrueux. S'ils ont toutes les émeraudes, là, ça va être la merde. Attends, c'est Amy, ça? What? Attends, fais voir. J'ai pas très bien vu. Ah ouais, comment elle est tombée, wesh. Ah, mais c'est trop... C'est trop, wesh. D'accord, il y a Taze qui se ramène. Mm-hmm. Bah, super. Très bien. Je suppose qu'ils se connaissent pas encore. Enfin... Je crois, après, je suis pas sûr. Mais ok, très bien. Et du coup... Qu'est-ce que... Ah. C'est Ray, je suppose. Ok. Ah ouais. Il a direct reconnu en plus. Oh mon dieu. Ah ouais. Ah vraiment, ça a dû le toucher. Oh non. Ils ont passé tellement de bons moments ensemble. Oh, je te jure. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, j'ai juste compris best friend. Hein, il a dit my, je sais plus quoi. Enfin, bref, moi, tout ce que j'ai compris, c'est best friend. Ouais. Oh non, le pauvre. Comment il pleure. Qu'est-ce que... Ah ouais, là, vraiment, il pète un câble. Il est fou de rage. Et là, ça veut dire qu'il va passer un sale quart d'heure. Ah ouais, d'accord. Ah, en fait, il y a plusieurs copies. Très bien. Moi, je pensais qu'il y en avait quelques-uns, mais non. Pas du tout. Ah ouais. Il a une autre émeraude. D'accord. Pour le moment, ils en ont deux. Et les autres, c'est quoi? Ils étaient censés choper des émeraudes, eux aussi? Enfin, je crois. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, peu importe. Ils vont s'occuper de Sonic et les autres. Enfin, je crois, ouais. Non, mais le sourire qu'il a, Eggman, je te jure. Là, on est déjà à 13 minutes, ah ouais. D'accord. Ah. Qu'est-ce que... What, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Elle pense que Tess est un ennemi. Très bien, très bien. Donc, ouais, ils se connaissent pas. Ok, ok. Ah, décidément. Mais pourquoi il reste figé comme ça? Je sais pas. Bon. Si tu veux. Quoi? Oh non. Il y a une autre copie de... De Furnace ou je sais pas qui... Non, pas Taze, non! Non! Non mais il est pas mort là. Dites-moi que c'est une bug, il est pas mort. Non mais... Oh là 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 là. Ces émeraudes étaient dans la machine de Taze ou... Ou je ne sais où? Non mais... Non mais waouh! J'espère pas qu'il est mort parce que là, vraiment... Oh ouf, il est pas mort, j'ai eu peur. Je me disais, là vraiment, Taze s'est fait directement tuer comme ça sans qu'il ait pu se défendre ou je ne sais quoi. Enfin bref. Peu importe. Au moins ça va, il est pas mort. Ah. Là, ils vont pouvoir se casser. Ok. Oh, je vous jure, j'ai eu peur. Et je me disais, attends, mais... Même Taze, il va mourir dans ces cas-là? Mais non, ça va. Heureusement. Heureusement qu'il est pas mort. Ouf. Ah, parce que là, ça aurait fait un autre dîner pour Eggman. Et bref. Putain, le pauvre. Là, vraiment, on voit qu'il a mal. Il a très très mal au cœur. Mais bon, faut qu'il reste fort parce que là, vraiment, s'il commence à craquer au mauvais moment, là, il va se faire avoir. Ok? D'où sort cette émeraude? Genre, elle était ici depuis un certain moment. Genre, c'est ça? Qu'est-ce que... Ah, d'accord, en fait, si j'ai bien compris, c'est que l'émeraude est en train de prédire l'avenir. Et donc, du coup, on nous montre que ce qui va se passer, c'est que Sonic va se faire tuer par Furnace. Ok, très bien, donc il est bien censé mourir comme dans le mode FNF, ok, d'accord. Très bien. Ah bah là, vraiment, c'est vraiment la cata. Ah ouais, en plus, il y a une tonne de copies. Wow. Et c'est trop, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est une autre copie de Furnace ou...
je ne sais quoi. Je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Bref, peu importe. Je vous jure, c'est bizarre. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ça c'est son plan, je suppose. Ok, et du coup... Enfin, son plan. Non, c'est pas son plan. Ah. Je comprends. En fait, s'il échoue, bah, il sait qu'il va bah, être détruit. Ok, très bien, très bien. En fait, Eggman détruit toutes les copies qui ont échoué. Et donc, il sera vite remplacé. Ok. Donc, ça veut dire que s'il échoue, bah, il se fait... Démolir. Enfin, démolir. Bah, littéralement détruire. Ok. Donc là, il va tout faire pour anéantir Sonic. Enfin, anéantir, plutôt le tuer. D'accord, Sonic, il a l'émeraude verte. Ok. Du coup... Ah, il a infiltré la base d'Eggman. Super. Parce que... Ah ouais. Enfin, la base... Non, je dirais pas que c'est sa base, mais bon. Enfin, si. Si, si, je crois que c'est ça. Mais bon, peu importe. Bon alors, comment ça se passe? C'est Franes qui poursuit Sonic, ok. Très bien. Ah ouais, pas mal l'esquive. Et du coup... Qu'est-ce qu'il fait, wesh? Il est en train de gueuler ou alors il fait trembler... toute la base? Je sais pas, bref. Attends, quoi? Ne me dis pas que... Là, il est directement mort. Enfin, mort. Détruit, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est tes amis qui... qui ont sauvé Sonic, d'accord. Ah bah c'est cool. Bon, ça veut pas dire que... Bah, Eggman se ramène bien sûr et... Bien évidemment, bah il y a une autre copie de Franes. Bien entendu. Ouais, non mais vraiment. C'est interminable. Donc ouais, vraiment il a tout prévu. Ah ouais. Wow. Ah ouais comment... Ah, il a dû se faire démonter le dos. Ah mais vraiment là, ça part en cacahuète. Ça part vraiment cacahuète. Attends, c'est... What? Ne me dis pas que c'est Amy. Ne me dis pas que c'est elle qui a explosé en mille morceaux. Ah mais vraiment, ça part trop loin. Hein. Et du coup, si on résume bien, Sonic il a l'émeraude verte, Eggman a la rouge, Mighty a la jaune, et le reste ils sont éparpillés autre part. Oui, parce que c'est vrai, dans Sonic CD, il y a 6 émeraudes. Et c'est pareil pour le 1. S'il chope le reste, là vraiment, ça va être la cata. Non, il dit la même chose que le mode Sonic.exe. Ok. Ah ouais, comment il est éternué. Oui, c'est ça. Oh mais c'est trop bien. Ok. Putain, j'entends pas trop bien ce qu'il dit avec la musique, je vous jure. Enfin, j'entends vite fait, mais bon. Non, mais n'empêche, la voix de Sonic, elle est super bien dans cette version. Enfin, disons dans cette vidéo. Non, franchement, c'est bien. Et là, ça va se passer exactement comme prévu dans l'avenir. Enfin, selon l'émeraude. Ou bien, ça va changer. Ça, je sais pas, mais à mon avis, je pense que il va y avoir un petit imprévu. Je crois, après, je suis pas sûr. Ah ouais. Franes, il y va pas de main morte. Ah ouais, mais vraiment, ça part loin. Ok. L'autre qui parle de son maître. Et voilà Eggman qui se ramène. Ouais, bien sûr, il dit mot pour mot, bah. Enfin, pas mot pour mot, mais tu m'as compris. Les répliques qui viennent du mode FNF. Ok. J'espère que cette musique elle est pas sous copyright parce que de ce que je sais elle est sous copyright sur TikTok et sur YouTube. Donc j'espère pas qu'avec ce soi-disant remix que ça va démonétiser la vidéo. Mais bon, je pense pas. Wow. Bon là ça se tape. Ah j'aime bien. J'aime ça. La Mighty il va tout défoncer. Enfin je crois. Ah ouais.
comme il a vite calmé. Ah, il voit encore cette bison où il se fait détruire. Mais bon, même si c'est pas le même. Enfin, quoique, peut-être que les données de sa mémoire sont similaires. Qui sait, je sais pas. À mon avis, peut-être que c'est le cas, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par en dessous? Ou... qu'est-ce que... quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Il vient de tuer Robotnik? D'accord, en fait, au lieu de foncer sur Sonic, il a foncé sur... Robotnik. Donc là, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Je suppose, oui, mais après, j'en ai vraiment aucune idée. Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, une petite surprise ou je ne sais quoi, mais vraiment, c'est vraiment chaud. Là, vraiment, c'est la cata. Donc ça veut dire que c'est Furnace qui dirige tout. Ok, là, vraiment, il vient de tuer son maître. Ah ouais, mais vraiment, ça part long. Ça part très long. Et du coup, ça va être quoi, le boss? Ça, je sais... qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est quoi, c'est un robot géant? Ah ouais, mais je suis pas sûr. Ah ouais, mais vraiment, c'est... c'est trop, là. Ça part loin. Très bien. Donc ouais, c'est bien Furnace. Enfin, je crois qu'il dirige le bail. Ok. Sonic est dans cette position pour se cacher ou... ou je ne sais quoi. Je sais pas. Non, non, non. C'est pas pour se cacher. Qu'est-ce qu'il compte faire, wesh? Je comprends pas. Je sais pas. Bon, à mon avis, je pense que ça va partir en Yox. Ça va vraiment partir en Yox et ses intentions n'ont pas l'air d'être très positifs. Wow. Ah ouais. D'accord. Donc, il compte vraiment tout démolir. Enfin, tout démolir. Qu'est-ce que... Il a deux émeraudes, ok. Mais c'est pas lui qui les a chopés. Il les a piqués. Ouais, c'est ça, je crois qu'il les a piqués. Alors. Ah, donc ouais, Robotnik, il est bien mort. Ok. Et en plus, Furnace, il a volé l'émeraude de Mighty et de Sonic. Eh ben. Là, je sens. Ok, il y a même Espio qui se ramène. Ah bah, c'est cool. Ah, il va récupérer l'émeraude de son maître. Et Sonic se dépêche pour éviter que Furnace la chope. Ok. Alors, qui c'est qui va la choper? Je pense que c'est Furnace, hein. Ou pas, non. Qu'est-ce que... attends, je comprends pas, c'est qui l'a chopé, Sonic ou Furnace? Je sais pas du tout. Mais bon, peu importe, qu'est-ce qu'il fait? Ah mince. Il récupère les émeraudes qui étaient dans l'engin de Tails. Oh non. Ah là, vraiment, c'est la merde. C'est vraiment la cata. Là, il va pouvoir arriver à ses fins, what? Il a un boost de vitesse. Ah ouais, pas mal le robot. Ok, attends. What? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il essaie de péter la chaîne. Ok, sauf que c'est sans succès. Bon. Là, vraiment, ça va être galère. Ça va vraiment être galère. Quoi? Qu'est-ce qui nous sort, là? Bah, une boule de feu. Ok. Attends, il a combien? 4 émeraudes. Là, je sens que tous les autres sont... ah, et le reste, c'est Espio ou Mighty, je sais plus. Enfin, bref. C'est les deux autres qui l'ont. Ok. Enfin, les deux autres. T'as compris, mais bon. Oh non. Ah ouais. Il a fait tomber Espio. S'il te plaît, me dis pas que ça va se terminer comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui... qu'est-ce qu'il fait, wesh? Il a une télécommande? What? Non, me dis pas qu'il va se sacrifier. Ne me dis pas que ça va se passer comme ça. S'il vous plaît. J'espère pas du tout que c'est ça. Bon. Ok. Et tout ce qui lui reste, c'est cet émeraude. Enfin... Sonic, hein. Et il pète un câble. Wow. Ouh là là. Ah ouais. Mais... c'est quoi ce pouvoir, wesh? Wow. Non, mais c'est quoi ce transfo, wesh? On dirait hypersonique, mais c'est pas vraiment hypersonique. Ah là, vraiment. S'il arrive pas à s'en sortir après ça, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Wow. C'est quoi ce truc? Tout, 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 tout. Ah, oh, pas mal le robot. In this world. Ouais. Wow, il a carrément fait disparaître. Ah non. Mais c'est quoi ce pouvoir de malade mental? Ah non, il a pas fait disparaître. Il l'a amené dans je ne sais où, ok. Très bien. Mais ça part trop loin. Vraiment. Ah. Non, mais c'est quoi ce pouvoir, je te jure? C'est quoi ce truc? Ok.
et on repense à Amy. Donc ouais, je suppose que ça va être grâce au pouvoir de l'amitié ou je ne sais quoi. Enfin, le cliché typique des animés ou je ne sais quel autre truc. Bref. Et du coup ? Attends, il est pas mort là ? Ah vraiment, il est résistant, hein ? Ah, je te jure. Ah mais je te jure, les robots d'Eggman, ils sont vraiment trop puissants. C'est énorme. Et là, qu'est-ce que... Wow. Putain, on se croirait dans un animé. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ou alors, ça me fait penser surtout aussi à une attaque de Super Sonic dans Sonic Frontiers. Où il lâche des coups de poing comme ça, enfin, tu vois. Ça fait aussi penser à ça. C'est quoi ça ? Attends. Ah ouais, Mi, elle est carrément morte. Ah ouais, mais... Mais c'est vraiment trop, là. Je crois que Sonic, il a pas envie de perdre son temps. Il veut direct le détruire. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah ouais. Ah vraiment, il a pété un câble. Et donc, ça veut dire quoi ? Attends, quoi ? C'est... What ? Attends, Ray et le reste, ils sont vivants ? Mais comment ça ? C'est dû au pouvoir de Sonic ? Ah oh ouais, mais à part ça, je vois pas d'autres explications. Ok. J'ai pas très bien compris sur le fait que Amy et le reste sont vivants. Mais franchement, ça m'étonne. Et je vous jure, j'ai pas compris. Au début, je me disais que vraiment, ils étaient morts de chez mort. Enfin, quoique, ça se peut, c'est un sort de flashback ou je ne sais quoi. Enfin, bref, une sorte de vision. Mais c'est trop chelou. Et ça se termine vraiment comme ça. Ah, attends, c'est quoi ? Il remonte le temps ? Ou un truc comme As ? Comment ça se passe, wesh ? Il va refaire la même chose ? Ok. Très bien. Donc ouais, il a peut-être dû remonter le temps pour éviter une telle catastrophe. Enfin, que Eggman devienne cette espèce de créature rouge. Ok. Alors ? Ah, il finit par rencontrer Ted. Ok, ok. Bon, bah, au moins c'est cool, ils se rencontrent d'une manière normale. Ça, c'est vraiment cool. Crédit, ok. Très bien, en gros, c'est une histoire alternative à Sonic CD. Mais genre, en gros, le truc qui arrange tout ça, c'est le pouvoir de Sonic qui est overcheaté et qui le permet de remonter le temps. Ok, ok. Et donc, du coup, je suppose que c'est avec ça qu'il va suivre... Qu'est-ce que... Ah non, pas ce même. Non, mais... Sonic the Chuck Tree Fight. Ok, très bien, je viens de comprendre le truc. Bon bah écoutez, cette animation était plutôt sympa à regarder. Elle était certes très longue, mais elle était sympa. Bien sûr, je vous rappelle que si vous voulez voir ces vidéos de votre côté, et si jamais vous avez envie de me recommander des vidéos sur des sprite animation, ou bien sur des animations, ou je ne sais quoi, bref, ça peut être de tout, des mèmes, des trucs débiles, ou alors des trucs, je sais pas, bref. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Et nous, en attendant, on va s'arrêter là. Bon, si les vidéos t'ont plu, tu likes, tu commentes, tu partages, et tu t'abonnes. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et en tout cas, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, c'était Texar et ciao.